Ah, pouille! Là, j'ai bien tapé. Ok, tout le monde est Aïe! maintenant, tout le monde Hé! est sur la piste. Mais pourquoi vous me rentrez dedans? Émilien, sérieux! Il me fonce déjà dessus! Yop les pilotes et bienvenue dans l'Open Paddock. Rendez-vous au premier virage, effectivement. Zut, je démarre devant, ça va être beau. Destruction Drift pour cette première course du jour. Tout le monde avec la Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport. 10 minutes de course, c'est du dirty et les stands sont interdits. Les dégâts étant forts, il va falloir taper, mais taper en calculant. Tiens! C'est pour toutes les autres fois que tu m'as battu. On va peut-être voir l'aventurier gagner une course aujourd'hui, là il est cinquième. Ah, j'ai ma voiture qui chasse. Elle est pas rentrée dedans. Yoda là il s'est fait... Il s'est fait refaire le pare-choc, Yoda. Ça y est, le vocal commence à bugger. Et l'aventurier est deuxième. Incroyable. Quelque chose me dit qu'il y a un Paul qui va le harponner, mais... À la fin de la course, elle se rendra. Ah, je suis pris en sandwich, moi. Ouais, je vois ça dans mon rétro, ouais. C'est un vrai jambon. Ah, je me fais... eh, le pire c'est que j'ai réussi à pas prendre de dégâts, je vais me faire des dégâts tout seul. C'est moche. Attends. Paddock. Salut Blue. Ça va, bah là du coup j'ai peut-être à se prendre parce que j'ai un béarnais qui est en train de faire. Je suis en train de me faire prendre un sandwich, j'ai plus de pare-choc là. Ouh Paul. Hop là, on écrase Paul sur le mur. L'IFF2, il a compris que c'était dirty. Ouais, c'est parce que je lui ai dit, parce que sinon il l'avait pas fait. Non mais c'est étonnant quand même. Dédinaté. Oh. C'est marrant, j'ai pas encore pris de dégâts. J'ai pris du dégât en essai libre, mais j'ai pas pris de dégâts tout de suite, quoi, sur la course. Oula. Je me remets encore des dégâts. J'ai essayé de tenir et le Bernet qui sont derrière moi. J'avais même pas tenu. Eh, c'est tenir. Salut. Eh, le Bernet. Le Bernet qui est déjà à l'arrêt mais qui freine encore trop tôt. Tu sais, que tu freines ou pas, de toute façon, je comptais de rentrer dedans. Hein. C'est destruction drift. T'as encore ton moteur, aventurier? Ouais, j'ai encore mon moteur, ouais. Oh, il est sérieux? Ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Ah, c'est fini. Ouais, c'était le dernier tour. Non, 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 non. Je mets 11 secondes à Paul, oh, incroyable. J'ai raté le record, merde. Ah, Blue, t'aurais pu... Genre, tu rattrapes le moteur. J'ai raté le moteur, il roule plus vite que moi. Il a réussi à s'échapper. 5ème les gars, 5ème. Très bon score de l'aventurier. Ah oui, t'as dépassé Blue dans le dernier, dans la dernière seconde en plus, l'aventurier. Il y a juste un truc que je pige pas là, c'est que ça fait un tour que je suis dans mon tour d'honneur. Sleipnir et le Bernet n'ont pas encore franchi la ligne. Ah, Ordel, tiens. Sleipnir et le Bernet. Je leur ai mis un tour de plus sur mon tour d'honneur quasiment. La voiture, il n'y a plus de peinture devant. Ah yeah. Sur la mienne non plus, il n'y a plus beaucoup de peinture. Pour éviter les bugs audio, il va peut-être falloir qu'on sépare en deux le chat. Donc il y aurait une partie de la vocale qui resterait chez moi et l'autre moitié qui irait chez l'aventurier. Sachant qu'on peut évidemment faire des rotations d'une course à l'autre, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vais quitter cette vocale-ci et quatre d'entre vous peuvent me rejoindre. Je vous laisse vous mettre d'accord. Hop, je quitte et j'en ouvre une.
Ça y est, on laisse pas Doc tout seul, on reste tous ici. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, de toute façon, il y a pas de chien. Je vous entends, les gars, je vous entends encore. Merde. Je vous aurai. Je vous aurai. Donc du coup, le paddock, si tu regardes le live de l'aventurier, je te propose que tu restes sur ta partie, sur les... du coup on t'écoute sur ton live. Deuxième vocal dispo. Bah tu dis que ça marche bien maintenant qu'il est parti. Je vais chez le paddock. Hein. Ouais, je vais aller le rejoindre, pareil, comme ça. Je vais voir les... vous allez pas me laisser tout seul quand même. Bah non, les meilleurs sont encore là. Les policiers sont en pneus sport dur, les fuyards sont sport tendre, donc on a un petit avantage de grip sur eux. Sport, moi je propose qu'on se mette tous en super tendre. Comme on l'entend pas, il va croire que tout va bien pour moi. On avait fait le test avec un seul fuyard qui était Paul la semaine dernière. Yoda, Ryu qui rappale si je me souviens bien, qui essayait de faire la course le plus vite possible. Pendant que l'aventurier, Struck et moi-même, on essayait de défoncer Paul comme Jaja. Quoi, il a dit quoi pour moi? Il a dit quoi là? Ça, mais il était pas gentil par contre. Tu essayais de détruire Paul comme Jaja. Il y a l'aventurier qui te dit tu as dit quoi sur toi? Sur toi, pas sur moi. Ah oui, je pars dernier, ça va être chouette. Ah, t'as pas mis. Ah oui, sinon en plus on part au milieu, ça va faire mal. On part 5 secondes avant eux, donc décale-toi parce que normalement ils vont rester arrêtés. Donc ce serait con de leur rentrer dans le derrière directement. Putain, comment il est parti? Ah ouais, je suis parti tout de suite. Qui c'est qui avance pas là? C'est des biens. Ouais, c'est parce qu'il faut attendre 5 secondes en fait. Ah merde, c'est vrai, merde, pardon. Tant qu'il s'acharne sur moi, il s'acharne pas sur toi, hein. Boum! Ça c'était mon pare-choc. On a 3 tours à finir donc en vrai c'est jouable. Hein. Moi j'essaie de les bloquer. Bah, moi, et vu qu'ils s'acharnent sur moi, bah c'est bien parce qu'ils s'auto-bloquent. Bah du coup j'en ai vu les curieux. Je dirais même ils s'auto-bots. Je suis en train de pousser Emilien dans le rail. On va lui faire voir de toutes les couleurs! Voilà! Voilà, Emilia qui vient de recouper l'aventurier du gaming. Il faut quand même un qui part devant là, parce que s'il nous fout un tour. Ryuk qui partait, je crois. Je te protège, pour l'instant il n'y a que Ryuk qui m'a dépassé. Ok, je vais faire demi-tour! Je m'occupe de Ryuk! Ouais, je te suis. Pouf! Allez, hop là! Un Emilien dans le mur. T'as pas la contre-sens. Un Yoda dans le mur. Ah bah non, le dernier, je l'avais stoppé. T'es en train de l'aider en fait. Hein. Ryuk a déjà fait un tour. Faut l'empêcher de faire deux autres. Mais Ryuk, on s'en fout, c'est pas lui. Il y a quelqu'un qui arrive. Ryuk, il est avec lui, ça arrive. C'est Blue qu'il faut niquer maintenant. Ryuk, faut surtout pas le toucher. Là. Wow! Je crois qu'on se met en travers au milieu de la route. De toute façon, il y a quand même un délai. Hein. Waouh! Ouais. Oh oui! Tu l'as mis dans le stand. Ouais, j'ai failli. Ah, ils sont en train de me bloquer dans le bac. C'est bon, je ressors. Hey non, Blue, tu bouges pas de là! Non, Blue! Non! Je bloque Blue, c'est bon! Foutez le camp, occupez-vous des autres! Ouais, attention! Je vais attendre le paddock. Parce que j'arrive encore à pousser les GTR. Allez, l'aventurier il fait la course en marche arrière. Au calme. Oh, j'ai un froid de toutes les couleurs, moi! Alors, le paddock. Ah, fait chier, il y a deux balles. Ouais, là, par exemple, on fait demi-tour, bah c'est pas. Quand on met en demi-tour, c'est pas continuer à rouler. Ah, ils arrivent à bloquer mon pick-up, l'air de rien, là. Par contre, c'est bien passé cette Ryu, quoi. Il passe. Il nous prend un tour, en fait, c'est... Ryu qui fout pas. Attends, il est policier, Ryu. Non, c'est... Oui, ouais, Ryu, ouais, il avait tout. Bon. Par contre, ils sont là, les deux autres. Putain, pas de... Oh, merde! Hop là, et Yoda qui bloque l'aventurier, c'est parfait. Peut-être le foncer tout droit. Là. Je suis sur la ligne. Merde. On se croirait dans Need for Speed. Ouais. Là, je suis devant la ligne. Surtout, en fait, à partir du moment où t'as doublé, je voyais pas bien l'intérêt de continuer. Il est où, Ryuk? Quelqu'un l'a vu? Ouais, il est loin devant. Il est loin devant, tout va bien. C'est un policier, Ryuk?
Oui. Bah oui. Putain, tu vas le retenir un jour. Ryu qui est notre ami, c'est lui notre policier qui prend de l'avance. Je vous ai compris. Bah il devrait normalement, vu le temps qu'il reste. Oh non. Oh non 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 non. Pas ça. Non. Mais bon, merde. Le stand, l'aventurier. Désolé. Vous allez réussir à me rattraper parce que je suis monté. Je viens de voir passer Paul devant moi et il a failli me couper en deux. C'est qui vient de faire un saut là? Il est bien là. Ah, ça y est, en piste. Pour me pousser, vous avez vos proches à mon avis. Bon, moi je vais rester policier hein, parce que moi je suis policier dans l'âme. Je suis né dans une famille de policiers donc. Je croyais que t'étais maston dans l'âme. Bonjour, c'est Antonio. Je sais pas, t'aimes tellement les. C'est notre résine spéciale technologique en 2 minutes. C'est vrai que j'aime bien les bastonner, mais pas à ce point-là quand même. C'est vous solide. Hop là. Ouais. Alors, en fin de compte, c'est un grand enfant dans l'âme, parce qu'il aime bien le bac à sable, avec le râteau et la pelle. Ouais, il cherche un fuyard avec Ryuk. Un fuyard demandé. Vas-y, l'aventurier. Ok. Oh, oui. Je vous mets tous en sourdine alors, comme ça, vous m'entendez pas. Ryuk qui part des stands. Ah mais déjà tu vas être avantageux, déjà tu vas être plus loin que nous et tu vas... nous on va devoir attendre. Et nous on va tous partir en vrac. Un embouteillage. Devant vrac, t'as de la chance. L'aventurier, oui, il perd du temps. J'aime parce que moi je suis sur le frein à main mais la voiture elle avance quand même. Ah mais l'aventurier il a presque pas pris d'avance. Ah oui, il a pas réussi à partir, regarde, tu es direct à son cul. Oh non, je vais... Ça commence déjà. J'espère que vous prenez du plaisir, les amis. Wow. Là, je suis en train de sortir Ryuk dès qu'il est fait de la les autres, ils m'attendent en rond de sens, déjà. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je roule ou je vous le laisse? Ouais, vas-y, roule, roule, roule. Bon, déjà, je l'ai foutu une fois dehors, il a essayé de me repasser, il a pas pu me repasser. Paul, il a la même stratégie que moi. Ouais, il est bien, pardon. Et Ryuk qui fait du jump. Youhou. Faut pas l'envoyer trop dans le décor, sinon il va respawn, les gars, attention. Tu m'as poussé derrière, mais du coup, ah merde, je suis parti dans la merde, du coup. Attends, faut que tu me concentres, parce que... Non, Ryuk! Là, je fais des skis dans tous les sens. Aïe! Ah, c'est bon, il se sort tout seul, avec la pression. Ah ouais, c'est vrai, l'aventurier, on l'a laissé partir, l'aventurier. Bloquer l'aventurier, bloquer l'aventurier. Je répète, bloquer l'aventurier. Ah non, on n'a pas réussi à faire les 3 tours. Ah bah voilà. 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 C'est vrai qu'en fait, on s'est tous acharnés sur Ryuk, on a laissé l'aventurier passer tranquillement. Ah bah il est passé l'aventurier, je crois, non? Ouais, il est passé, mais je sais pas s'il est dans le même tour ou pas. Non, non. Ah bah non, j'avais déjà mis un tour à tout le monde. Je vais réactiver chez tout le monde le micro. Eh, ça va pas durer longtemps, les gars. Ça va pas durer longtemps chez moi. Hein. Je sais pas qui t'a coupé, mais nous, on t'entendait tout le temps. Mais oui. Comment ça? Bah, je crois que, en fait... Quand on m'entendait plus dans le live. Nous, on t'entendait et... On t'entendait plus. Pardon? Vous m'entendiez plus dans le live? Si, on t'entendait. Non, dans le live, mais dans le casque, en vocal, on t'entendait, quoi. En fait, tu nous entendais aussi, plus, ouais. Mais tout le monde t'entendait, quoi. Ah merde! J'aurais dû couper mon micro chez moi! Oh merde, désolé! Donc vous les êtes tendus de rire, quoi! Bah, on t'entendait, tu t'es isolé tout seul, quoi. Merde, je suis désolé! Mobile One à dispatching, tout est rentré dans l'ordre, terminé, over. On aura le temps 15 secondes, je le rappelle. Salut Ryuk! Salut, je suis dernier. On dit ça, bien sûr.
sur le con. Le film est fait ziné. Pourquoi j'arrête de regarder? Oula. Tu m'as mis un taquet, Rapal, ou... C'était... Ok, on a besoin de voitures, là. Ouf, le carnage, là. Je m'acharne sur lui. Ah bon, je passerai pas la ligne, c'est sûr. Hein, mais... attends, dans 1 minute 30, hein. Paul, ouais, 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 non, mais... 30, hein. Même si là, t'es à fond, sans que je te défonce, toi, t'en feras pas une minute. Je suis rentré dans le cul du paddock. Putain, ils ont du mal. Ils ont du mal à bloquer, hein, après. Ouais, moi aussi j'ai du mal. Et il se lève en fait. C'était beau. Il y a moyen qu'il soit hors délai, le Rapal. Une plus grande, une plus grande. Ah, il a. Ah. Il a franchi. Il a franchi la ligne de justesse, le Rapal. Il a fini. Il est dans le délai pour 1 seconde 3. Oh putain. 1 seconde 3 avant, ouais. GG Rapal, tu es le premier à remporter une poursuite face à la police. GG. Tu vois l'habitude du gars qui est tout le temps en train de rouler en dirty. Bah quand lui, ça lui fait rien du tout, au contraire. Vas-y, on peut la refaire. Hein. Je même qui souhaite tenter ici? Paul. Ok. Paul est blue en fuyant. Oh non! Oh non! Oh là là! Oh on non, là c'est mort! Là c'est mort, les gars! J'ai alourdi ma voiture pour avoir un bon gros lest pour pousser les autres. Je suis à plus de 2 tonnes. Mais quoi? D'où je deviens un fantôme? Ah, c'est vraiment ça que j'aurais dû faire, mais non. Pourtant, je passe à droite. C'est bon, c'est passé. Allez, Michael Jackson, sors de ce corps! Oh là 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 là! Oh putain, tu le fais bien en plus! Depuis tout à l'heure, il bloque Rapal. S'il y a des gyrophares, l'aventurier, s'il y a des gyrophares, faut pas bloquer. Imaginez l'aventurier qui serait un vrai flic. Le matin, il s'entraîne avec des gars qui sont habillés en noir. C'est ses collègues de tous les jours. Putain, faut choper le fuyard, hein, il est habillé en noir. Oh, tabasse ses collègues. Je suis à 9 secondes maintenant, 10 secondes du dernier. Oh, 20 secondes. Salut Paul. Ah, Blue également. C'était qui le fouillard ici, Paul et... Oh putain. Et Blue, c'est ça? Paul et Blue. Et Blue. En fait, tu t'en fous des pseudos. Regarde ceux qui font pas, qui clignotent pas. Oh. Yoda a passé la ligne, je répète. Et Yoda a passé la ligne. Attends, faut pousser dans les centres, faut pousser. Mais c'est ce que j'allais dire, ouais. Et si tu regardes dans ton rétro, Paul, je me suis redressé quand même, hein. C'est des choses qui arrivent entre collègues. Non. Bon bah je crois que c'est perdu encore une fois. Non, dis pas ça. Ah non, mais Blue il finit son virage, il reste encore 30 secondes. C'est mort, on a perdu. Ah sinon il va être beau de replay. Ah le nombre de safety car qu'on a fait spin. Bon bah voilà, Blue il a gagné avec 11 secondes. Mince. Et Paul aussi, 6 secondes. C'est six. Quand même bizarre, les gars, quand le paddock fait sa partie vocale et que tout le monde vient, ça bug. Et quand il est parti, tout fonctionne comme il faut. Non, on va virer le paddock. On le vire. Virez-le. Virez-le. Non, mais il va pas nous agacer, non. Bouffez-le. Alors, la char à voile. Chaparral. Chaparral. On fait du char à voile. C'est quoi ça? Du char à voile. Oh putain. On fait du char à voile. C'est quoi ce bordel? Elle est où ma grosse chacal là? Ma grosse chacal. Prétentieux, un gros chacal. Je t'en foutrais. La chacal des chacos. Le meilleur. Après le million. C'est un million, hein. Il a pas. Ouais, mais le million. Mais tu parles. Il est riche, Clé. Bah oui, j'ai 20 millions sur mon compte maintenant. C'est le seul compte où je suis riche, hein, je te rassure. Il est pas beau, son machin. Oh là là, je lui ai dit. Il fait ce qu'il veut, mais il est pas beau.
Il est comme moi, il est pas beau. Faut pas qu'il prenne ça, faut pas qu'il fasse ça. Mais c'est moche comme bruit en plus. Ah oui, c'est ça. Ça siffle, non ? La machine à café fait un joli bruit. Ouais, c'est ça. Même la 103SP à l'époque faisait mieux, faisait un peu beau bruit. Non, mais faut pas déconner. Ça rappelle papy qui claque des dents. Ouais, et encore. Et qui pète en même temps, hein, je vais pas dire. Mais... Mais ouais, c'est normal pour un char à voile. Ah voilà, c'est ça. Oh, ça va être tendu du string. Oh, mais c'est moche. C'est dirty, effectivement. C'est dirty, mon kiki. Oh putain, puis il y a les dégâts. Hop, oh, bah, laisse tomber. Aïe, 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 non. On va l'entendre souvent ce soir. Tu parles de moi? Oui. Non. Aïe. Ouais, du aïe, on va avoir un champ de aïe. Si t'as le retour du aïe, t'as... Le retour du Jedi, les gars. C'est ça, c'est vrai. C'est ça. Belle nuance. Oh, elle est bonne, celle-là. Oh, elle est bonne, celle-là. Là, j'aurais pas pu faire... Non. Éventuellement, Slipnir aurait pu, hein, mon vieux Pascal, t'aurais peut-être pu, hein. Peut-être, ouais. Bon, là, j'en suis à mon 10e moteur. L'aventurier, il vient de tasser Ryuk. Ouais, c'est ça, il t'a tassé et finalement, c'est quand même lui qui a perdu, quoi. Ta vitesse, t'as combien, là? Bah, je roule. Merde, le coup, je me suis pas mieux. À 200. Ah ouais, effectivement, tu t'es pris le mur des stands, Ryuk. Ouais, carrément, ouais. Ah, c'est du dirty, normalement, en plus. Ouais. Tu t'en étais pas rendu compte? Non. Remarque, je te signale que pas être dirty avec cette espèce de tas de boue, là... Moi, je roulerais pas avec ça, j'aurais prendre... Le seul qui est à l'aise dans, sur le circuit, c'est l'aventurier. Ouais. Mais quoi? Il est con. Alors moi je vais dire un truc, je ferais pas conduire ma copine avec cette voiture là, hein. Parce que j'aurais l'impression d'avoir... Normalement c'est une seule pièce. Quand tu la suis, on a vraiment l'impression qu'elle a le feu au cul, alors faudra pas donner l'envie, hein. Excuse-moi. Ah non, mais on s'en fout, on n'est pas sur le live, là, on peut dire des conneries. Ouais, Paddock, il est pas sympa, tout ça, pas bon. Hé, je suis en live, moi, je te rappelle. Ah, merde. Oh bah YouTube, il va te sucrer. Hey, YouTube, il va te sucrer ta chaîne. Bah, t'auras pu me le dire, t'es con, toi. Oh, le gaffeur, le mec. Et le Bernet qui va mettre un tour à Paul. L'aventurier qui est troisième. Mais quelle course, incroyable. J'ai rien compris là, mon véhicule a chassé du droit de gauche. L'aventurier, mais je veux pas te dire, mais Paddock, il est en train de se foutre de ta gueule, l'aventurier. Pourquoi? Mais troisième, quelle course incroyable. Il y aurait Thierry Roland à la bonne époque, hein. Oh là là. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. C'est parce que plus facile à la manette que l'autre. Je pense que ça doit être un peu plus... Ouais, parce qu'au volant, c'est pas... Ça m'arrache le bras. Bon, moi, ça m'arrache pas les bras, mais... Moi, je m'arrache les doigts, là. Disons que... J'ai l'impression d'avoir le vibromasseur de ma copine dans la main, quoi. Quel pied ! Une fois que j'ai quelque chose de qui vibre. Ah, quel pied ! Ça pourrait même faire des étincelles, dis donc. Ouais, c'est pas con. Oh putain! Ouais, je voudrais pas dire, mais t'as le derrière du paddock, il fait des flammes, hein. Il a le cul en feu. Ah, il a le cul en feu, hein, ça je te l'ai dit, hein. Ah, Seigneur, je brûle! Je brûle! Moi, perso, je trouve que ça manque de dirty quand même, hein. Moi non, j'essaie de rentrer dans les autres, mais personne ne m'en donnant, ou presque personne. Bah, si vous me t'inquiète avec Paul, on s'y calme depuis tout à l'heure dès qu'on se croise, on essaie de se mettre au pif. Tiens d'ailleurs, oui, c'est mais... Hey les gars, regardez qui est deuxième. Ah merde. Emilien, laisse-moi la place s'il te plaît. Une fois.
Mais non. Tu l'as laissé. Emilien, maintenant, il est à plus, alors fous-lui la paix. L'aventurier est toujours troisième. Mais incroyable. Il s'est envoyé clé dans le mur. Même en roulant ralenti. Oh bah si ça t'amuse de me mettre dans le mur, moi je veux bien. Je suis à 1 minute 30, donc je m'en fous. Salut Ryuk. Ah oui, mais non, je voyais pas. J'avais pas besoin de voir la couleur de la voiture. Salut Ryuk. C'est qui est 8ème qui vient de me tasser, Paul? Non, voilà. Eh ben, je suis pas rentré au stand, Paul. Ah, ce truc dans la pit lane. Mais laissez ma voiture rouler un peu, les gars. Quand j'ai mal au doigt. Ça y est, je suis de retour, les gars. Allez, j'y retourne. Ah, ça t'es même pas rendu compte. Sérieux? Bah ouais. En fait, quand t'es parti, c'était vachement propre après sur la piste. Ouais, surtout, il a plus d'énergie, il va vouloir remettre de l'essence, il va se rendre compte qu'on s'en passe. C'est ça. Je sens que c'est ça. Bon, je vais aller faire un peu de réparation quand même, parce que ça, j'en ai marre d'avoir la ZZ tremblante là. L'aventurius a repris sa manette, ça se voit, il fait encore plus les murs. Mais il est toujours troisième en attendant. En panne. Qui est en panne? Moi. Polo. Et l'aventurier n'est pas encore en panne, Paul. Et il est déjà devant toi de base, Paul. Incroyable, Paul. Ah, il est bien, il est en rade. Ce truc a l'air en panne, l'aventurier a l'air en rade. Qui est à 0% de carbu? Moi. Là, je suis à un peu plus de la moitié. Oh non, je suis à zéro. Je t'aurai, Paul, un jour, je t'aurai. Emilia, ouais, moi aussi. Allez, hop là, Emilia. Pardon, excusez-moi, c'est nerveux. Mais le Bernet, il a toujours... Allez, le Bernet. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris, là. Rapal en panne. Emilien, arrêté à contresens. Hop, ça y est, le Bernet. Ah oui, effectivement, le Bernet est en panne. Emilia, t'es sérieux là? L'aventurier dit on va faire un barrage. L'aventurier est bien. Aïe! Il a pété mon moteur, encore! Je suis obligé de rentrer maintenant. Mais ça va péter! A few inches later. Mais! Oh! Si ça continue comme ça, je peux finir devant Paul. Merci, ce truc! Pourquoi t'as encore pété ma bagnole? Ça fait deux fois! C'est chiant! Pétez! Vous allez fuir! Vous attendez! Vous allez fuir! J'ai dit je vous remercie. Déconnexion de l'aventurier? Qu'est-ce qui se passe? On va sortir un peu de. T'as pas l'autre, je t'ai pris. C'est le deuxième tour que je te prends. Ouais, mais moi au niveau essence, je suis tranquille. Ah bah moi aussi, largement. Il te reste combien là? Bah je viens de passer en dessous des 50%. Ah, moi je suis encore au-dessus, moi. Non, moi je vais pouvoir accélérer en fin de course. Il reste que 20 minutes, je vais dans les 50%. Ouais, bah moi je suis passé en dessous. A few moments later. Le paddock a trouvé l'accélérateur, mais en rentrant sur les obstacles, ça aurait pu. Ouais, effectivement. C'est souvent le même obstacle d'ailleurs. Bah, il se déplace, c'est-à-dire que. Tain, d'ailleurs, faut garder. C'est souvent l'obstacle Paul 123. Paul GT 123 plus exactement. Putain, on prend tout le monde dans ce truc. C'est plus 4 voitures d'affilée, quoi. Du coup, t'as vu le bout de faire passer en plus. Ouais. Par contre, il y en a un qui est en train de leur prendre des tours à la paddock, il est énervé. Ah, moi j'ai réservé mon essence au début pour pouvoir la. Merde, un truc sur mon chemin. Je sais pas. C'est combien? 160. Aïe, ah ouais, je suis pris un rapal. C'était pas trop violent dans le derrière, rapal? Oh, ça fait du bien. Ah! Le paddock qui me reprend encore un peu, hein. Et que... C'est le gros. Merde. Oh, il a pris ma place, le paddock, il a pris ma place. Et Clé n'est plus que quatrième. Merci. Ah, Clé et Yoda, vous étiez dans le même tour? Depuis tout ce temps. Putain, et c'est le paddock qu'il faut choper, c'est pas moi. Ah non, c'est Slepnir qu'il faut choper, il est premier. Non, c'est le paddock qui a rien à fond là maintenant. Ouais, il est revenu dans le même tour là maintenant. Bien joué, Paul, mais j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui montais en l'air que moi, mais.
a encore de l'avance. Et... Non, j'ai plus de carburant. Je sais pas si Ryuk a beaucoup d'avance, mais il y a plus que 4 secondes là. Salut Ryuk. Il reste devant moi, je suis de l'avance. Attention Sleipnir, j'arrive. Plus que 2 tours et je suis là Sleipnir. Pin 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 tartatin tartatin. Hop là. Je ramasse encore l'arrière de Rapal. Ça fait du bien. Et je prends la tête sur Sleipnir. J'ai quasiment plus de carburant, mais il reste que 3 minutes, donc c'est cool. A few inches later. C'est déjà en rate, mon paddock ? Ouais. J'ai accéléré 2 tours de trop. Ah bah ça y est, je suis en rate. Ok, donc il n'y a plus que Blue qui peut potentiellement me remonter. C'est la course, j'aurais pu gagner, ça se trouve. N'arrive pas, il n'y en a pas. Au moins une heure. On s'est fait pousser peut-être, non ? Du carburant. Ryuk qui me donne dans le dernier tour. Ah ! GG Ryuk. Ah, je suis hors délai, dis donc. Mais je suis dans le même tour que Ryuk et Blue, donc en vrai, je suis content. Mais si j'avais fait un classement, tu vois, j'aurais eu bon sur l'aventurier. Dans le même tour. Et c'est que plus 80 tours. Ah oui, quand même. On retourne en partie avec les autres. Oui, on va retourner en partie avec les autres pour clôturer, ouais. Re les fous furieux et salut à ceux qui sont arrivés entre temps, donc il y a au moins Clé, salut, il y a au moins Struc, salut, et oui, salut. Je sais pas s'il y a d'autres personnes, je pense que les autres ont rejoint ma vocale. Et re l'aventurier, ça y est, ça commence à rebugger dans le chat, c'est génial, oui. Bah du coup, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Et puis encore merci à tous d'avoir participé ou d'avoir regardé la vidéo. Et bonne semaine à tous. Ciao. C'est pas fini. C'est pas fini. Ah ben voilà. On a mis du temps. Tenu longtemps quand même. Ah ouais. Depuis tout à l'heure. Le soir, vous avez la flemme ? Nous, on a la flamme. Champagne pâle.